Oui, bonjour les gars, bienvenue sur une autre nouvelle vidéo de Santé pour Noir. Je vais vous montrer comment installer un petit compteur électronique ou digital chez vous. Voici le compteur. Je vais vous montrer comment installer ce compteur. Tout ce que vous avez besoin, c'est un tournevis et le compteur. Ce que vous allez commencer par, vous allez dévisser la vis pour voir à quoi ça ressemble à l'intérieur. D'accord? Dès que vous avez dévissé la vis, vous allez constater qu'il y a 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Il y a 4. Sur ce type de compteur, ça c'est un compteur Engelec. Et c'est un compteur single phase. C'est un compteur single phase à 4 entrées à l'intérieur, au-dessus. Bon. Bon, voici l'entrée. Voici où? Voici donc le input, l'entrée du courant qui sort peut-être sur le poteau électrique où le courant vient. Vous allez mettre sur le premier et le troisième. D'accord? Avant de le mettre, il faut dévisser le compteur pour que ça puisse permettre au tout de bien entrer à l'intérieur. Il faut bien dévisser. Quand vous avez dévissé, vous enfoncez bien le câble à l'intérieur et vous revissez. Vous revissez le premier et le troisième. Ça, c'est le neutre. Ça, c'est là où il y a le courant. Ok, si. Et maintenant, la sortie, c'est qui entre chez vous, c'est qui part chez vous. Vous allez le mettre au deuxième et au dernier. C'est très important que vous le sachiez. Vous allez le mettre au deuxième et le dernier. D'accord? Je vais vous montrer un petit exemple dehors chez moi. Parce que j'ai acheté ce compteur pour l'installer. Je vous montre comment ça se passe. Ok, comme par exemple vous voyez, voici les deux câbles de la source et voici ce qui entre chez moi. Il faut que je retire ça ici. Voici la source, voici ce qui entre chez moi. D'accord? Donc je vais retirer les deux câbles ici. Dans ce cas, je vais mettre les deux, le bleu et le rouge. Désolé, j'arrête au premier et au troisième. Donc je vais mettre le bleu et le rouge au premier. Donc je vais mettre ça. Donc désolé, j'arrête. J'arrête la caméra moi-même pour faire cette vidéo dedans, c'est un peu plus compliqué. Mais j'espère que vous avez compris comment ça se passe. La source, vous mettez la source au premier et au troisième. Assurez-vous que vous avez bien élevé la tête ici, les deux. Assurez-vous avant de placer. Vous voyez? Et maintenant, la sortie, ce qui part chez vous, vous mettez ça ici. Et le dernier. Et vous vissez. Et voilà, c'est tout. Ciao, ciao.